Merci beaucoup pour le QSP avec la station espagnole. C'est très apprécié, Cédric. Merci beaucoup. Tous les bons chiffres tournés de ton côté, de tout l'ensemble du groupe ici sur Gatineau. Et par contre, de tout l'ensemble du groupe sur les canaux de QSL, Cédric. J'ai deux stations qui m'arrivent en même temps, mais j'ai pas les bons chiffres pour deux stations. Allez-vous 73, désolé. J'avais la frontière franco-belge qui était en avant là, stand-by. Si vous voulez plus que j'en Ok, merci pour le retour de micro. Eh bien, toi, là, je suis en train d'empiler les vidéos. Là, j'ai à nouveau relancé là, plusieurs fois les vidéos. Ça va m'occuper un moment là pour pouvoir après retravailler tout ça et mettre ça sur YouTube. À propos de YouTube, non, on en parlera en MP. Aussi, vite fait, ton ancien YouTube. Bon, j'ai aussi récupéré les vidéos dessus, hachis trois coups. Comme ça, on pourra les mettre en premier sur le nouveau. Bon, j'en dis pas plus. Retourne le micro, Gilles. Ok, en tout cas, toi, là, et on a beau dire, hein, on parle du modernisme, ceci, cela, nouvelle technologie et tout ce qui s'ensuit. En attendant, là, à la radio, eh bien, je t'entends beaucoup mieux qu'au téléphone. Et oui, au téléphone, j'avais du mal à te sortir. C'était une radio 2, voire radio 3. Là, et, alors que là, c'est une bonne radio 5. Ça passe plein pot, là, de mon côté, là. Non, j'ai débauché, comme je t'ai dit, à minuit et demi. Voilà, 0h30, j'ai débauché, là, cette nuit. Et là, non, je suis en repos. Demain, j'ai un truc à faire sur Bordeaux. Je travaille après, dimanche soir. Oui, QSL pour dimanche soir. Oui, mais désolé pour le téléphone.
j'habite dans un sous-sol, là, puis avec le plafond suspendu ici, qui est en métal. Alors, ça coupe la réception aussi sur le téléphone. Tu vois, par le radio, le QSO est pas mal plus clair, Rémi QSL. Oui, oui, affirmatif. Tiens, nous avons notre fan préféré, là, derrière, qui revient à nouveau, là, nous mettre un petit peu de couleur, en nous faisant des porteuses sifflantes. Hachi, comme quoi, toi, hein, vous, les Québec, vous êtes même sifflés, tout le monde vous applaudit derrière, hein, tellement que les gens sont contents de vous entendre. Ok, affirmatif. Christian, ou la tour de contrôle de la Gironde, est-ce que la tour de contrôle de la Gironde est toujours avec nous? Oui, il est là, la tour de contrôle, on va acheter les réseaux. Oui. Bon, il y avait un petit coup de sifflet, mais c'est pas manifesté, c'est pas méchant, voilà. Voilà. Bon, mais il y a un peu de boutage sur la canton de Pampoua. Sur Gatineau, c'est plus calme, les gens sont plus raisonnables, plus sérieux. Gilles, voilà, toi Gilles. Non, ben tu vois, c'est pas mal de même. C'est un peu tout à chacun, et puis, mais on a quand même du grand plaisir ici sur la fréquence. Même avec la propagation, comme on va voir, nous aussi, on a quand même tous les contacts. Local qui continue sur la station sur le restant de la journée. Alors qu'on débute quand même à 6h, 6h30, 7h du matin sur la fréquence en QSO avec le trafic du boulot au pays. À 6h30, on est en fait du boulot, avec QSO à 100% Gilles, voilà. Vous êtes en modération d'amplitude quand on fait la même, Gilles, c'est ça, toi. Bon, je n'ai pas bien copié la question, Christian. On va prendre un petit plan, on va voir sur notre station qui veut prendre le micro. Oui, merci.
aussi pour le petit blanc, il est avec les glaçons, là, ça rafraîchit, là, de mon côté, mon petit rime blanc. Le lit couvert, ça c'est bon. C'est rafraîchissant, il dit, tu es seul. Oh oui, que ça, que ça. J'ai cru entendre tantôt 066, une reprise, mais cette fois-ci, Ouais, Gilles, elle est très très bonne, hein, ta radio, là, avec ce micro-là, là. Ça marche vraiment très très bien, hein. Je suppose que c'est Jacques que j'ai entendu, les 2073, Jacques, de la part de 14 ODR 002, Rémi, Sud-Ouest France. Ok, ben je vais couper la vidéo pendant ce temps, histoire de faire une petite pause, de laisser refroidir l'appareil. Ouais. À tout à l'heure. Oui, affirmatif. Surtout que là, va y en avoir quelques-unes là, à mettre en ligne. Parce que dès que j'arrive au bout, c'est-à-dire à 25 minutes, une demi-heure, je coupe, je relance à nouveau. Là, je vais avoir de quoi charger là sur YouTube. Ok, Jacques, Gilles. Bon, toi, tu vas prendre ton café, là, ton petit déjeuner. Eh bien, moi, là, je suis en train de prendre le café, mais du 4h au PM. Voilà, à tout à l'heure. C'est pas la peine de boire un café, j'ai mis la tisane, même si attends lui, tu peux rester avec moi, si. Il y a Marion qui t'appelle, Gilles. Bon, je passe les soins de base à Marion, voilà, Christian Bordeaux. Gilles, vas-y pour Marion. Oui, qui arrive très très tard, mon réveil matin aujourd'hui, Marion, à 14h30, 046, mon ami. Marion, sur la lampe, à toi le micro, tous les bons chiffres renouvelés, Marion. Thank you.
de t'entendre en fréquence. Et puis, je pensais justement à toi, là, dans les deux jours que la propagation nous a formé la porte. Comment vont les poules et les lapins, mon ami Mario Atoire? Ok Christian, les 2713-51 à toi, 212 également QRA et à plus tard ou à demain. Je sais pas demain, si j'espère demain. Ok, merci pour le retour. Tiens, il y a un truc qu'il faudra qu'on parle, mais que j'aimerais bien qu'on discute, mais plus sur Internet, je pense, ça sera plus simple. C'est bon, tu connais un petit peu la réglementation CIBI là au niveau de la France, mais vous autres au niveau du Québec, on n'arrive pas à trouver quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous avez comme réglementation au niveau CIBI, tout ça, toi,
Là, parce que bon, j'aimerais bien sur le forum les hommes du routier faire un petit truc là-dessus pour montrer un peu comment c'est ailleurs. On a commencé quelque chose à ce niveau-là avec l'Australie, avec l'Espagne, l'Allemagne, quelques autres pays, mais sur le Québec, on n'arrive pas à trouver quoi que ce soit au niveau réglementation civile sur le Québec. Mais on verra ça, j'en discuterai avec toi là, par internet, ça sera plus simple. Il n'y a pas de problème, Rémi, oui. Il n'y a pas de problème, on checkera tout ça, mon ami, puis on s'envoierait tout ça. Il n'y a pas de souci. 59 au dernier passage ici, là. C'est du téléphone. Là, t'es moqueur. Là, t'es moqueur. Parce que, vu comment ça passait au téléphone, là, ça passe quand même beaucoup mieux, là. Là, tu m'arrives vraiment qu'une, c'est une radio 5+. Alors, ce micro, ne le change pas. Surtout, garde-le, ne le change pas. Tu verras, là, sur la vidéo. Là, ça passe même, peut-être même encore mieux que d'habitude. Il est vraiment excellent comme micro, celui-ci, hein. Merci beaucoup, Rémi, mais tu vois, ça c'est mon HM350 que j'utilise en mobile. Dans le push mobile, j'ai le HM350 avec la Superstar 4000 que j'utilise en mobile. Mais comme tu dis, tu vois, j'ai fait une couple de tests ici avec cette station-là, avec la RCI 2950 Delta X-Ray. Mais comme tu dis, je crois que c'est vraiment compatible. Puis ça, Rémi, et toi? Ah oui, tout à fait, hein. La radio est très très propre, c'est clair, c'est net, c'est sans bavure. Mais je l'ai reconnu ce matin, fin de matinée pour nous, fin de matinée pour nous, j'ai écouté tes vidéos là en même temps que je les récupérais sur ton ancien compte Facebook. Alors quand tu as cité tout à l'heure le micro, je me suis dit, lui, celui-là, je le connais déjà. Hachi. Bonjour Gilles, le petit cousin, et bonjour Rémi. Bonjour, je crois que c'est Eric dans ce bandeau. Salut Gilles, Eric Bordeaux, les amis, mon petit cousin. Et bonjour Rémi, je crois que j'ai entendu Rémi ici aussi. Affirmatif, espèce de branleur, chie trois coups. Les bonnes 73 à toi, Eric. Ah, si je dis ça, c'est j'ai bien aimé le coup quand tu m'as envoyé les infos là pour la prochaine expédition et que tu me dis de les mettre sur le forum. Alors que tu es également membre du forum Les Hommes du Routier, tu aurais très bien pu les mettre directement dessus. Chie trois coups, retour de micro, Eric. Ok, retour de micro du côté de Gilles. Oui, fin de QSO avec Eric, Rémi. Fin de QSO avec Eric, ça peut faire cette vidéo aussi. Mais tu vois, la propagation est très capricieuse, hein. Quand j'ai pris la vidéo, t'arrivais quand même à 59. Et puis là, par moment, j'ai du mal à la retirer, là. À toi le micro, Rémi. Ok, d'accord. Eh bien, ça fera une autre vidéo que j'irai récupérer quand tu l'auras mis là sur le groupe. Pas de problème. Il y a certainement. Ben Eric vient juste d'arriver là. Là quand même, je vais lui laisser un petit peu la place, qu'il ait le plaisir de profiter là que Dame Propag a décidé d'ouvrir la porte là de votre côté pour lui retourner le micro. Retour Eric. Ok, merci Eric, apparemment tu ne l'as pas entendu.
Ok, les 2073-51, toi, et bonne journée, et 212 au cuir. Je renvoie le micro sur Eric. Les deux stations sont passées en même temps ce côté-ci. Alors, on va retourner ce côté de Rémi. Rémi, va tourner avec Martin. Martin retournera sur Eric. À toi, Rémi. Ok. Et c'est ça qu'on appelle la stéréophonie. Ok, ben, les bandes 73-51, toi Martin, et 212 à ton QRA, et bonne journée. Retour de micro, Martin. Merci beaucoup, Martin. Hey, Eric, tu vois, mon ami, ici, en ce moment même, où on se parle moins 17 degrés ici sur Gatineau, avec un très beau soleil quand même sur Gatineau, mais la nuit précédente, c'était moins 25. Moins 25 avec le facteur humidex et tout, moins 30, moins 31 ce matin ici sur Gatineau. Pas chaud sur la pompe à l'eau, Eric, à toi. Ok, j'ai le temps pour on va faire mettre le fil sur un chaud, on va attraper froid et fâcher. Voilà. Allez, Rémi, à toi le retour micro. Ok, Martin, si t'es toujours derrière on écoute, t'as entendu la température que Gilles a annoncée? Là, je crois que pour le coup, t'es découragé pour la journée. Gilles, pour vous réchauffer un petit peu, là, je t'ai mis des photos là sur le groupe des tannants. Tu verras ça, je pense que ça devrait te réchauffer un petit peu. Ouf, la propague a descendu d'un seul coup là. Je t'entends plus qu'avec une radio de 2-3. Le Santiago, là pour le coup, là, je peux pas trop te dire parce que bon, j'ai des QRM de mon côté qui étaient plus forts que ton signal. Et là, d'un seul coup, paf, c'est descendu, là je t'entends à peine là, ce coup-ci. Hein.